Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, pour rester dans le côté un petit peu institutionnel, on va voir maintenant la pertinence des prescriptions vues par le regard de l'assurance maladie. Alors, je suis déjà désolée de vous annoncer qu'il va y avoir quand même une partie un petit peu réglementaire qui va être abordée. Je ne sais pas quel est votre degré d'information, je pense qu'il est déjà très, très pertinent, mais j'ai voulu intégrer ces éléments quand même au regard du constat qu'on fait dans les prescriptions que nous recevons, dans les remboursements que l'assurance maladie fait aussi, où on a un certain nombre de déviances et donc où on est en dehors d'une pertinence des prescriptions. Alors tout d'abord, le premier point, c'est sur la liberté de prescription par le médecin. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, en fait, c'est une réalité, mais une réalité qui a ses limites. Puisqu'on a un article du Code de la santé publique, que je vous ai rementionné ici, le R4127-8, qui précise bien que le médecin est libre de ses prescriptions, qui sont celles qu'il estime le plus appropriées en les circonstances. Ceci concerne bien évidemment tous les médicaments, mais dans le respect des conditions qui sont fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science. Donc là encore, vous avez un article du Code de la santé publique que vous pouvez consulter. Liberté, certes, mais on a dit des limites, c'est peut-être plutôt des contraintes, dans ce sens que le prescripteur, et là c'est plus le code de déontologie aussi le régit, doit limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Le médecin que vous êtes doit tenir compte des avantages, mais aussi des inconvénients et surtout des conséquences des différentes investigations et des thérapeutiques qui sont possibles. Donc vous devez évaluer, on en a parlé, ce bénéfice-risque avant toute prescription de thérapeutique. Et puis, là encore, hein, donc c'est à la fois dans le code de déontologie, dans le code de santé publique, c'est observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Vous avez aussi des restrictions à la prescription qui peuvent être apportées par l'autorisation mise sur le marché. Donc, avec un intérêt dans la santé publique, là. Donc, j'ai repris un petit peu toutes les listes et les contraintes liées à ces prescriptions et à la catégorie de médicaments, un petit peu. Hein. Ce sont les médicaments qui peuvent être soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes de substances vénéneuses. Donc, pour les étudiants en pharmacie qui sont dans la salle, ils connaissent bien ça avec les listes 1 et les listes 2. Où on peut avoir donc une limitation dans la durée de prescription de ces médicaments. Je vous ai cité les hypnotiques, les anxiolytiques, bien évidemment. Les médicaments aussi qui contiennent de l'isotrétinoïne, de l'acitrétine ou de l'alitrétinoïne. Donc, sachant que ces médicaments ne peuvent être pas prescrits initialement par les médecins généralistes, mais que le généraliste peut en assurer seulement le renouvellement au vu d'une prescription d'un dermatologue. On a d'un autre part les médicaments qui sont soumis à prescription spéciale du fait du classement du médicament comme médicament stupéfiant ou soumis pour partie ou totalité à la réglementation des médicaments stupéfiants avec là aussi des limites de durée de prescription. Mais le plus important, et c'est là sur ce point-là qu'on a le plus, on va dire, d'atypie, hein, c'est sur les médicaments à prescription restreinte. Alors je passerai très rapidement sur les médicaments à prescription hospitalière puisque là ça se fait simplement au sein d'un établissement et ça se fait aussi éventuellement en termes de potentielle rétrocession.
Mais j'aimerais insister à la fois sur les médicaments à prescription initiale hospitalière et sur les médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes. Donc l'autorisation de mise sur marché précise effectivement les catégories de médecins spécialistes qui sont habilités à prescrire ces médicaments, soit en initiation de traitement, soit même pour les renouvellements. Par contre, pour certains médicaments, dans certains cas, le renouvellement peut être ouvert à tout médecin, à tout prescripteur, hein, donc y compris aux médecins généralistes. Et on a pour certains des médicaments des dérogations sur des conditions exceptionnelles d'administration. C'est le cas notamment, alors ça c'est un peu la saison aussi, hein, mais on en a de plus en plus. C'est le cas de Bricanyl et Atrovent qui sont largement utilisés en aérosol, normalement dans le traitement de la maladie asthmatique, mais en situation d'urgence, ces médicaments ne sont pas sont réservés à une prescription spécialiste, donc pneumologue et pédiatre, et on voit qu'ils sont de plus en plus largement prescrits par des médecins généralistes, même quand on n'a pas de difficulté à avoir recours à un médecin pneumologue, par exemple. Donc, le médecin généraliste, certes, peut l'utiliser, mais en situation d'urgence, avec une prescription à usage professionnel, et doit l'administrer au cours de sa consultation. En aucun cas, il peut prescrire une semelle d'aérosol à faire à la maison par le patient. Et puis on a aussi des médicaments qui nécessitent une surveillance particulière dans le traitement. Ceci est bien évidemment fixé aussi par l'autorisation de mise sur marché et en lien avec la gravité des effets secondaires et des effets indésirables. Et l'obligation qui est faite au prescripteur, qui peut être un médecin généraliste, mais qui peut être aussi un spécialiste, hein, puis dans ce cas, le médicament peut appartenir à différentes catégories qui peuvent être cumulatives, l'obligation de réaliser des examens périodiques. Et à ce moment-là, la nécessité pour certains produits de porter la réalisation, la date de réalisation de ces examens sur la prescription médicale. Donc, dans certains cas aussi, en fonction des risques liés à l'utilisation du produit, l'AMM peut imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a bien effectivement informé le patient de l'ensemble des risques encourus par l'utilisation de ce médicament. Une question est la prescription hors AMM. Donc, quelques constats, quelques rappels, sans intervenir trop avant sur un sujet qui sera largement traité après mon intervention. On se constate, nous, qu'on a de l'ordre de 20% de prescriptions hors AMM, hein, globalement, sur ce qu'on rembourse à l'assurance maladie. Dans ces 20%, on dit qu'on a aussi beaucoup, ça inclut beaucoup sur le champ pédiatrique, mais on se rend compte que ces prescriptions non conformes à l'AMM, elles concernent à la fois l'indication, la voie d'administration, hein, puisque tout à l'heure on a parlé d'aérosol pour Bricanyl et Atrovent. On se rend compte aussi qu'on a dans des séquences d'aérosol prescrites des antibiotiques, des corticoïdes qui ont une voie d'administration injectable et non pas dans une forme anébulisée. Les modalités d'administration, la posologie, alors la posologie, le seul exemple que je vous prendrai, c'est les hypnotiques, hein, dont la durée est limitée, de prescription est limitée à 28 jours. Pour contourner tout ça, on peut avoir des prescriptions de 2 à 3 le soir pendant 28 jours, ce qui correspond à 2 ou 3 mois de traitement. Donc la durée de traitement, parfois, les caractéristiques des patients. Donc pour toute prescription qui est faite sciemment en hors AMM, votre ordonnance doit comporter la mention spécifique prescription hors autorisation de mise sur marché ou hors AMM, hein,
Et comme ces médicaments prescrits au HMM ne sont pas remboursables par l'assurance maladie, l'assurance maladie est en capacité de faire une récupération d'indu auprès du médecin prescripteur dès lors qu'il ne mentionne pas cette mention spécifique sur l'ordonnance. Si cette mention spécifique est mentionnée sur la prescription et que le pharmacien lui facture malgré tout, la potentielle récupération d'indu se fera auprès du pharmacien qui aura délivré et facturé. La prescription en HMM, oui, elle est possible. Oui, elle est quand même autorisée et elle peut être éventuellement remboursée par l'assurance maladie de manière exceptionnelle. Cette prescription en HMM, elle est admise, bien évidemment, s'il n'existe pas d'autres alternatives médicamenteuses. Il existe une RTU établie par l'ANSM. La RTU, pour nous, c'est une prescription en HMM. Et que le prescripteur estime que le traitement est reconnu comme efficace, non dangereux, et que son indication est indispensable à l'état du patient. Je passe très rapidement sur la nécessaire information que vous devez faire au patient, avec une pleine connaissance pour lui des bénéfices et des risques entourus par cette prescription. On parlait précédemment de cette décision partagée aussi avec le patient, c'est un des cas. Et quoi qu'il en soit, la prescription doit être motivée par le prescripteur et motivée dans le dossier médical. L'Académie de médecine a fait un rapport en novembre 2018 sur cette prescription en HMM. Ce rapport a été aussi validé par l'Académie de pharmacie. Et ces deux académies réclament une clarification indispensable sur la prescription en HMM. Ils disent quand même que le résumé des caractéristiques des produits qui représentent le libellé de l'AMM doit être respecté et que c'est la règle. Donc par dérogation à la règle, dans certaines conditions, la prescription hors AMM peut être indispensable dans l'intérêt du patient. Et donc, ces deux académies se prononcent pour des recommandations qui sont basées sur trois idées forces, à savoir donc, comment optimiser en la rationalisant la prise en charge médicamenteuse de certains patients en situation préoccupante d'impasse thérapeutique. Comment aider le professionnel à prendre la décision la plus appropriée? Parce que la plus rationnelle, au vu de la réglementation et des données validées par la littérature, et puis versant prise en charge, favoriser cette prise en charge qui, dans certaines situations, peut être justifiée, mais dans un cadre, donc, une prise en charge qui sera dans le cadre de la règle générale. Actuellement, c'est vrai que la plupart du temps, quand on arrive à déroger et à prendre en charge une prescription hors AMM, la plupart du temps, la prise en charge se fait sur le Fonds national d'action sanitaire et sociale. Donc, c'est parfois un petit peu difficile, d'autant que cette prise en charge, à ce moment-là, est soumise à conditions de ressources. Donc, nous, on a un circuit professionnel interne à l'assurance maladie qui fait que ça passe par le service médical de l'assurance maladie. C'est une décision qui ne nous appartient pas en local ni même en régional. En régional, en gros, c'est moi qui centralise un petit peu ces demandes qui émanent essentiellement de services hospitaliers. Et donc, on étaye un petit peu les demandes qui peuvent être faites des professionnels. Et ensuite, c'est envoyé à la Caisse nationale d'assurance maladie avec un arbitrage généralement du médecin conseil national. Donc parfois, ça prend aussi un certain temps avant que les décisions, avis favorables ou non, reviennent au potentiel médecin prescripteur.
Donc, on va rentrer aussi dans l'obligation qui est faite depuis le 1er janvier 2015, l'obligation qui vous est faite de prescrire en dénomination commune internationale. Donc, avec un but qui était de sécuriser davantage la prescription et de favoriser donc le bon usage du médicament. La dénomination commune internationale, même si les noms des principes actifs sont parfois un petit peu rébarbatifs à apprendre à prononcer ou à écrire, c'est quand même l'avantage de limiter les risques de confusion entre plusieurs produits, entre plusieurs substances, d'avoir des noms de médicaments très proches et des confusions qui peuvent être faites après au comptoir, en officine. Ça aussi, le grand avantage de repérer des doublons dans les prescriptions et de repérer des cumuls de doses. Je n'aurais pour idée que ces produits, on a parlé, j'ai entendu tout à l'heure du paracétamol, j'y reviendrai quand on a chez la personne âgée avec les risques de iatrogénie qu'on connaît, à la fois du paracétamol et des doses qui peuvent être relativement importantes pour la personne âgée, hein, et des associations qui taisent qu'on a du paracétamol. Donc si on prescrit en DCI, on a à la fois du côté prescripteur et côté pharmacien aussi la notion qu'on est dans une dose qui est potentiellement iatrogène. Alors cette prescription en DCI, elle s'applique bien évidemment à tous les médicaments. Je vous ai mis entre parenthèses que cette possibilité, elle existe depuis 2009 pour les médicaments génériques. Et donc, vous avez la possibilité pour tous les médicaments d'origine chimique de prescrire avec la DCI seule, bien évidemment en respectant aussi la qualité de la prescription, avec le dosage, la voie d'administration, la forme pharmaceutique. Après, j'ai oublié la posologie, etc. Enfin, tout ce qui fait une bonne prescription. Vous pouvez prescrire en associant à la DCI le nom de marque. Mais ce n'est pas une obligation, loin de là même. Et par contre, pour les médicaments d'origine biologique, donc qu'ils soient médicaments de référence ou médicaments biosimilaires, la prescription en DCI doit obligatoirement être accompagnée du nom de fantaisie ou du nom de marque. Alors c'est vrai que des médicaments biosimilaires dans la médecine de ville, vous pouvez pour l'instant en prescrire très peu, puisque ce sont des médicaments qui sont essentiellement à prescription réservée à des spécialistes, et pour beaucoup à des médicaments à prescription initiale hospitalière annuelle. Mais vous avez quand même le panel de l'insuline glargine, et Dieu sait qu'on a des diabétiques en France, et aussi l'enoxaparine, donc le fameux Levonox. Donc je vous ai mis un lien qui vous renvoie au site du ministère de la Santé, où vous avez un petit peu plus d'explications sur ces prescriptions en DCI et des liens vers d'autres sites. Vous allez me dire, oui, bon, nous, on a été habitués à prescrire en DCI, là, dans nos études, donc, contrairement aux générations... Non, c'est peut-être pas bien. Alors, vous n'êtes peut-être pas plus avancés que... C'est parce qu'on observe chez les internes qui passent en stage dans nos cabinets. D'accord. Bon. Alors, vous devriez un peu plus prescrire en DCI. Et ce n'est pas parce que vous allez prescrire en DCI que vous allez forcément prescrire au sein du répertoire des génériques. On avoue que, puisqu'on intervient aussi Assurance Maladie auprès des prescripteurs en établissement de santé, et que ces établissements contractualisent à la fois avec l'Assurance Maladie et l'ARS sur une amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, qu'il y a une incompréhension comme ça, une méconnaissance, on va dire, du répertoire des génériques.
prescrire en DCI et prescrire au sein du répertoire, ce sont deux choses bien différentes. On peut en effet prescrire en DCI et ne pas prescrire dans le répertoire des génériques. Je vous ai mis le cas du paracétamol. Le paracétamol, vous pouvez prescrire paracétamol 1 gramme, gélule, 3 fois par jour, par exemple. Vous aurez certes prescrit en DCI, vous n'aurez pas prescrit dans le répertoire des génériques. Le paracétamol n'a pas de générique. Le paracétamol n'est pas génériqué. Le répertoire des génériques, c'est la composition de groupes génériques. Donc, c'est X groupes génériques. Et un groupe générique, c'est à la fois une spécialité, donc princeps, et des spécialités génériques. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, le groupe amoxicilline 1 gramme, gélule, avec la spécialité de référence, donc la spécialité princeps, qui sera le clamoxyl. Et donc là, vous aurez toutes les spécialités qui contiendront de l'amoxicilline dans cette forme et à ce dosage, etc., etc. Alors, le répertoire des médicaments génériques est disponible sur le site de la NSM. Il est bien évidemment intégré au logiciel d'aide à la prescription. Donc, normalement, il n'y a pas de souci dans les prescriptions. Voilà, encore faut-il connaître ou jongler un petit peu avec son générique pour prescrire en DCI. La prescription en DCI et au sein du répertoire des génériques n'est pas neutre, puisqu'elle est censée générer de l'ordre de 160 millions d'euros d'économies en 2019. À la fois générique, alors certes, je suis totalement honnête, il y a aussi des biosimilaires à hauteur de mémoire 30 millions d'euros. Bon, donc on a quand même 130 millions d'économies potentielles par les génériques attendus donc sur cette année. Pertinence des prescriptions, les enjeux. Là, j'ai commencé par le générique avec l'économie attendue. C'est vrai que pour 2019, on attend de l'ordre de 350 millions d'économies sur les médicaments. C'est même un petit peu plus sur les spécialités, si on inclut les médicaments de spécialité, mais dans les 70 millions pour les médicaments de spécialité, il y a des médicaments qui sont d'utilisation et de prescription initiale hospitalière. Voilà, donc 215 millions pour les médicaments de médecine générale, 70 millions pour les médicaments de spécialité, 100 millions sur la iatrogénie. C'est pas neutre. Sachant qu'en 2017, on n'a pas tout à fait les chiffres consolidés 2018, donc ce n'est pas pour ça que je ne vous les ai pas mis. On a réalisé 708 millions d'économies de maîtrise médicalisée, dont plus de la moitié correspondait au champ des médicaments. Pourquoi avoir de telles actions et un tel impact sur les produits de santé et les médicaments en tout particulier? Eh bien, évidemment, c'est pour permettre à tout un chacun d'avoir un accès aux nouveaux médicaments innovants qui sont de plus en plus chers. Alors, pour ceux qui seront disponibles en médecine de ville, puisque là, on va avoir un anti... un hypolipémiant, pardon, qui va avoir là une procédure un petit peu particulière, normalement à partir du mois d'avril, puisqu'on attend un avis de la HAS. C'est un médicament qui, comme rosuvastatine et ezetimibe, va être soumis à une demande d'accord préalable. On a parlé d'enjeux économiques, mais on a aussi des enjeux de santé publique,
puisqu'il convient de lutter sur la contre la iatrogénie médicamenteuse, à la fois en ville et en EHPAD. En tant que médecin généraliste, certes, vous pourrez avoir un exercice libéral, mais vous aurez aussi un certain nombre de patients âgés qui seront en EHPAD, donc des discours et des liens avec, éventuellement, enfin normalement, créés, de plus en plus à créer, avec les médecins coordonnateurs. L'assurance maladie fait et a fait déjà une promotion au sein des EHPAD de l'outil Stop and Start, qui est un outil canadien, qui a été réactualisé récemment, 2018, premier semestre, me semble-t-il, qui peut être utile dans la pratique professionnelle. Alors, ça va, je sais que c'est un petit peu lourd, mais sur des séances aussi de formation médicale continue, ça pourrait être intéressant de lancer ces pistes sur l'utilisation de ces outils. J'ai mis là la conciliation médicamenteuse parce que iatrogénie médicamenteuse, on parle plus particulièrement de la personne âgée, mais pas que. Et à l'occasion d'une hospitalisation, selon les établissements, vous pourrez voir que cette conciliation médicamenteuse est faite au moment de l'entrée, voire au moment de la sortie aussi du patient de l'hospitalisation. Et que la prescription initiale que vous avez faite aura pu être profondément remaniée lors de cette conciliation, c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de produits qui pourront être supprimés, voire d'autres qui pourront être modifiés dans la posologie, modifiés dans le rythme d'administration ou voire un changement de produit au sein d'une même classe thérapeutique. Donc là, ça sera le bon traitement. Il faudra être vigilant, on va dire, à la revoyure après sortie hospitalière de ce patient, qui lui sera peut-être demandeur de tel ou tel produit qui aura été supprimé de la prescription hospitalière de sortie, mais qui leur a été faite sciemment. Et donc là, on compte beaucoup aussi sur les réseaux et les liaisons de sortie et le lien hôpital-ville qui est encore malheureusement un peu insuffisant. Donc, j'ai vu que tout à l'heure on parlait aussi de déprescription, c'est ce que j'ai mis, savoir aussi déprescrire. Et surtout, savoir réévaluer de manière régulière la prescription médicale. Donc, l'enjeu, donc, on a vu la iatrogénie, c'est aussi un autre enjeu, améliorer la pertinence des prescriptions médicamenteuses. Et donc, là, je vous ai mis à travers l'exemple du traitement du diabète de type 2, la stratégie thérapeutique graduée. Et même si je suis à peu près arrivée au moment où on disait que la metformine ne faisait pas la preuve de son bien fondé en termes de prescription, ça reste quand même le traitement de première intention. Donc, elle fait partie de cette stratégie thérapeutique graduée. Je ne pourrais pas finir sans aborder le problème de la pertinence et de la convention médicale qui donne un coup de booster, on va dire, ou qui donne par ses incitations financières, notamment, un petit peu l'envie, peut-être un peu plus, aux médecins généralistes. D'être pertinent dans cette prescription, puisque la dernière convention médicale a accentué, on va dire, les objectifs qui vont ouvrir à une rémunération sur objectifs de santé publique, ce qu'on appelle la fameuse ROSP, qui vise à valoriser donc la qualité des pratiques médicales, et qui, par cela, fera progresser la qualité des soins et la prévention. Alors, je vous ai mis globalement les thématiques. En gros, elles se divisent en trois grands chapitres, qui est premièrement le suivi des pathologies chroniques,
Deuxième chapitre concerne la prévention et le troisième chapitre plus particulièrement l'efficience. Donc pathologie chronique, c'est classiquement diabète, HTA, risque cardiovasculaire. Et chez les enfants de moins de 16 ans, l'asthme. Dans la prévention, c'est la grippe, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la couverture vaccinale contre la grippe est très insuffisante. Le dépistage des cancers, l'antibiothérapie, la iatrogénie et pour les jeunes de moins de 16 ans, à la fois la vaccination et l'antibiorésistance. Et plus particulièrement sur le plan de l'efficience, on a un premier item sur les prescriptions dans le répertoire des génériques avec un taux global par, individualisé par prescripteur, par médecin généraliste qui doit être au moins égal à 55%. Et puis après, on a des objectifs qui sont spécifiques pour certaines classes thérapeutiques. On a un objectif sur les statines. Alors, je les ai pas, je vous ai pas mis exactement les pourcentages, mais de mémoire, c'est 97%. Il y a antihypertenseur, je crois que c'est 95%. L'incontinence urinaire et l'asthme, je me souviens plus vraiment. On a aussi un objectif donc, sur les prescriptions de biosimilaires, donc essentiellement pour le médecin de ville, l'insuline glargine, hein, puisqu'on a la Basaglar depuis 2 ans et demi maintenant. L'énoxaparine, c'est un petit peu plus récent. Donc, prescription de biosimilaires, c'est un taux global qui est au moins égal à 20%. Et puis, donc, sur les prescriptions d'aspirine en prévention, donc, ça doit concerner au moins 93% des patients. Et pour le diabète, encore, on revient sur la metformine, avec au moins 94% qui ont eu en initiation de traitement de la metformine. Voilà, je crois que j'ai balayé un petit peu l'ensemble des préoccupations et des points importants donc vus par l'assurance maladie. Pour faire tout ça, on a aussi un nouvel outil à partir de cette année qui va être développé. C'est notre accompagnement qui va être un PPA, un plan personnalisé d'accompagnement de certains médecins généralistes. Ça sera un diagnostic qui sera partagé avec le médecin de sa situation. Ça sera plus sur un vrai échange avec, normalement, sur une année complète, 5 échanges programmés. Ça sera moins descendant que les campagnes de maîtrise que les généralistes ont pu connaître jusqu'à présent. Après le diagnostic partagé, il y aura une analyse commune des résultats avec un certain nombre de thèmes qui seront abordés. Donc, pour l'instant, l'assurance maladie s'est limitée à 5 thèmes, parmi lesquels on a les antidiabétiques, on a les antibiotiques pour le médecin généraliste, après on a et pour le médicament, après on a les IG, on a aussi des produits qui sont les compléments nutritionnels oraux et les pansements. Et à partir de cette analyse commune, on construira avec le médecin généraliste un plan d'accompagnement avec aussi un aperçu de ces situations. Il y aura des engagements réciproques, un engagement du généraliste à être vigilant dans ses prescriptions suivant la thématique qu'il aura retenue, des engagements aussi de l'assurance maladie à fournir des données. Et in fine, une évaluation et des conclusions qui seront partagées au terme de l'année d'accompagnement spécifique de ce prescripteur. Tout cela pour viser à une efficience des prescriptions. Alors bien évidemment, ceci se fait sur un nombre relativement restreint de médecins généralistes pour cette première année de généralisation France entière. Et cette fois, je crois que j'en ai terminé. Merci docteur Suchowski. Je propose de prendre seulement une ou deux questions parce qu'on est un petit peu en retard sur l'horaire. Donc, Merci.
Moi, j'ai une question par rapport à la prescription et au remboursement des spécialités hors AMM. Donc, à la pharmacie, pour nous, c'est un, on va dire, une préoccupation et on se posait beaucoup de questions là-dessus, à savoir est-ce que quand on a une prescription, on doit savoir nécessairement l'indication et donc passer ou pas hors AMM le produit. Enfin, je pensais à plusieurs cas où, évidemment, les produits coûtant aux alentours de 80 euros pour les patchs Versatis, par exemple, c'est compliqué pour les patients de prendre en charge cette partie-là de leur poche. Est-ce que nous, finalement, notre rôle, c'est de savoir est-ce qu'on a un zona, pas un zona, est-ce qu'on, enfin, jusqu'où on doit aller, est-ce que, parce que finalement, l'assurance maladie, après, peut nous demander de rembourser. Donc, je prends cet exemple-là. Je prends aussi l'exemple des médicaments pour l'aérosol, puisque ça aussi, c'est une grosse part de questionnement, dans le sens où si on a un corticoïde prescrit pour un adulte, c'est non remboursé. Donc, ce qui implique que le masque et l'aérosol ne sont pas remboursés représente une prise en charge d'au moins 60 euros pour le patient. Donc là aussi, c'est une vraie question, parce que jusqu'à quel moment on a... est-ce qu'on doit vraiment, j'irais jusqu'au mot flicage de toutes les prescriptions, parce que, mine de rien, c'est ce qui arrive pour certains médicaments. Alors, vous avez vu que dans mon intervention, j'ai parlé donc des différentes thématiques pour lesquelles un médicament pouvait être hors AMM. Et que normalement, l'obligation est faite donc au prescripteur de mettre ce caractère de prescription hors AMM sur l'ordonnance. Donc, pour le pharmacien, d'une règle générale dans la délivrance, si le médecin n'a pas marqué hors AMM, au global, vous pouvez, on va dire, facturer. Je mets tout de suite le SOF, un gros SOF. Parce que pour certains médicaments, vous savez pertinemment qu'il ne peut être prescrit que chez la femme et non pas chez l'homme. Donc si vous avez un homme, vous savez donc pertinemment que ce traitement est hors AMM. Vous avez pris l'exemple des aérosols, donc j'ai parlé de la voie d'administration hors AMM, donc les antibiotiques injectables ou je vais dire le pulmicorte qu'on voit très souvent, qui n'a une indication que chez l'enfant et pas chez l'adulte, donc forcément est hors AMM, et même en l'absence de mention sur la prescription, vous êtes en capacité, vous, pharmacien d'officine, de savoir que ce produit, déjà, est hors des indications de l'autorisation de mise sur le marché, donc non facturable à l'assurance maladie. Et donc, si dans votre aérosol, vous avez uniquement des produits non facturables, l'aérosol, la location de l'aérosol, masque, et voilà, est non facturable et non remboursable, non prise en charge par l'assurance maladie. Merci. Voilà, si j'ai répondu totalement à votre question, oui. Une dernière question courte. Je voulais juste savoir, par rapport à la iatrogénie, vous parlez d'une économie de 100 millions. Est-ce que c'est uniquement en cas d'ordonnance qui serait faite bien en DCI? Et si oui, ce serait, enfin, c'est quelle classe les plus concernées? Alors, on se rend compte chez les personnes âgées et pour certains prescripteurs qu'on peut avoir des prescriptions qui sont, je veux dire, ahurissantes déjà en termes de lignes de prescription, avec un certain nombre de médicaments qui peuvent être des médicaments, on va dire, un peu de confort, hein, mais qui peuvent avoir aussi des effets indésirables et qui sont des risques de confusion pour les personnes âgées. Après, on a aussi, j'ai évoqué le cas du paracétamol, mais tout bêtement aussi le paracétamol, qui est le premier médicament en termes de nombre de boîtes remboursées en France, et où on se rend compte que bien souvent, on a des prescriptions au long cours de paracétamol chez les personnes âgées, et à des posologies qui sont parfois jusqu'à 4 grammes par jour. Là de 75 ans, normalement. Alors, il n'y a pas que de la DCI. Par contre, par exemple, dans le paracétamol, on voit aussi des patients qui ont d'autres antalgiques, qui peuvent être une association de tramadol et de paracétamol.
Donc là aussi, on monte en dose, hein, en dosage de paracétamol. Et on connaît tous aussi les effets potentiels du tramadol chez les personnes âgées, enfin, pas que chez les personnes âgées. Voilà. C'est un exemple. Hein. Après, on a aussi chez la personne âgée, chez l'homme, on a aussi des tas d'effets indésirables et de potentiels iatrogénie avec les traitements de l'hypertrophie de la prostate. Merci, docteur Suchowski. Merci.